quelqu'un? Salut à tous! Aujourd'hui, je vais faire la critique d'un court-métrage qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est la critique pour le concours Cinétube. Le court-métrage s'appelle Repossessed Home. Il a concouru pour gagner le trophée court-métrage. Il est très intéressant du fait de son thème qui mélange humour et horreur. J'ai pu observer de nombreux points forts sur le film. Dès le début de la vidéo, on peut observer un avant-goût du thème. Une mise en situation grâce à un jeu de cache-cache interprété par les acteurs. Avec des sentiments, du suspense, de la peur, de la joie. Maman ? Il est difficile pour une petite production, bien que celle-ci ne soit pas si petite, de trouver des bons acteurs, dont les enfants. Je trouve que c'est un point fort pour ce film. On retrouve un certain dynamisme grâce aux différentes scènes, plans, dans des lieux différents. Le surnaturel et la fiction font bien effet dans ce court-métrage, en faisant référence à d'autres films d'horreur, La Petite Fille, L'Homme Possédé, Les Yeux Blancs, etc. Ce qui est très fort dans ce film, c'est que le metteur en scène est parvenu à faire un mix entre la peur et l'humour. Surtout dans les scènes de la maison, avec les réactions de la mère face aux multiples phénomènes étranges. Dans la scène de La Petite Fille, par exemple. Je trouve que ce court-métrage est le meilleur de tous les films présentés au festival court-métrage. Félicitations au réalisateur. C'était Jean Blot. Salut.